Ok, alors, euh, c'est le tuto, inventaire en haut, oh my god, the god cheater, le cadeau. Je ne savais pas que les hypothèses propositions étaient interdites. Si Ok, les gars, la prochaine fois qu'on joue, euh, la prochaine fois qu'on joue à un jeu solo, les gars, il faut qu'on qu dise. Hypothèse. La, la, pourtant, je l'ai dit, hein, c'était quand ça 27 août. Mais tu le répètes, Star en Wars ça, hein le, le cadeau, c'était. Euh, ouais, 12 minutes, ouais. D'ailleurs, les gars Ah non, merde, attendez, je vais vous en parler plus tard. Attends. Ça, on ah le cadeau c'était 12 minutes. Ouais. Ouais. Tu l'avais super. Vas-y. Ouais, je le débanne quand même, je débane quand même. Oui, c'est banni. Alors fais gaffe. Ok, euh, 6 juillet non. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Alors ça, y a, y a Ah c'était Rod. Oui, je pense. de 96. Oh, je suis grave désolé, ouais, je, je parle jamais de plus. En plus, je me suis trompé, la honte. Il y en a beaucoup, hein, des des comme ça. Il s'est ouais. trompé. <laughs> date, plus, Attends, non. Des non. Des en rires. mode, en mode, je me suis trompé. C'était pas 6 juillet. C'était autre chose. Ouais, en plus c'était vraiment autre chose. C'était 9 septembre 34. Ouais, et ça, des 9 septembre, il y en a plein après. Est-ce qu'on les débat, ou ah ouais, ouais, il y en a, oh, y en a plein. Ouais, mais, mais dis-leur pas d'hypothèse pas... ou de faux spoil, j'en sais rien, tu sais. Vas-y, ouais, on va, on va un une phrase, quoi. Vas-y, ouais, dégage-les. <laughs> Elle est infectée. Oh putain, ça remonte ça. Les modos, vos mères les gentilles. Seulement si vous m'enlevez mon ban. Plus sérieusement, je sais pas pourquoi je me suis fait ban et j'aimerais vraiment me faire des déban. Ouais, c'est encore une hypothèse. Allez, c'est bon. Les gars, vous cassez les couilles, hein. Vous cassez les couilles. Vous cassez les couilles. S'il vous plaît, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. L'âge, quoi l'âge C'est mon frère. Ok, vas-y. Claque ton prime. Euh... Bah, sable, de toute façon, je savais que tu faisais ce métier que pour l'argent. <laughs> ah là 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 là. Euh, et là, je crois, je crois que lui, j'étais salé, les gars. Putain, c'est ouf. C'était sur Planet Coaster, en plus. Putain, j'étais de bonne humeur sur Planet Coaster. Après, peut-être qu'il était à ah, une heure du matin. Non, vraiment, je suis désolé. Je, dirais, euh, je disais ça dans le cadre du jeu Planet Coaster. L'Oclear ne voulait pas jouer en mode bac à sable car cela ne lui rapportait pas d'argent. <laughs> c'est vrai, c'est vrai. J'aurais dû signifier... Mais après, ça ne me rapportait pas d'argent. Du coup, il n'y avait aucun enjeu. Okay ce n'était pas une question d'argent. Okay Attention, je précise parce qu'il y a beaucoup de rageux ce soir, j'ai l'impression. J'aurais dû signifier que ce n'était euh, qu'une blague euh, même si elle était de elle était mauvais goût. Euh, tu vois, rajouter des émoticônes, les gars. Vous savez pourquoi vous êtes nuls avec les meufs aussi C'est parce que vous mettez pas d'émoticônes, les gars. Vous mettez pas d'emoji, les gars. Tu sais, quand tu parles à une meuf, ne me dis pas que tu mets pas d'émojis ok Quand tu parles à un gars, ne me dis pas que tu mets pas d'émojis Vous êtes nuls. Là, tu fais, de toute façon, tu fais gars que pour l'argent. Smiley face, kappa. Tu, tu es, mets des émojis que Claude. Tu mets pas d'emoji, comment tu veux qu'on sache dans quel... T'sais, comment est-ce que ton message il est tourné L'emoji permet de. De rien frérot. Euh, mais faites gaffe, les gars, s'il vous plaît. Apprenez, apprenez de vos bannes. Parce que sinon la... quand, quand on voit deux bannes là, ça dégage, hein, les gars. Le deuxième ban là il est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dur pour se faire des bannes. Euh, J'aurais dû signifier que ce n'était qu'une blague, même si elle était de mauvais goût. Je déjà je recommencerai pas la prochaine fois. Je mettrai un smiley. Ou un XD encore désolé, un gars gentil dont la mère n'est pas une pute. Putain. Et même si ta mère c'était une pute, c'était quoi le problème Il n'y a aucun problème Il n'y a aucun problème Bientôt, c c bientôt, les gars, fils de pute, ça va disparaître. Bientôt. Et on pourra même plus le dire parce que dire pute, c'est quelque chose de très dénigrant. Pour certaines femmes. Ok Moi je préfère fils de chien aujourd'hui. Et c'est vrai que fils de pute quand il pense... bah mec, imagine mec, ta daronne c'est vraiment une, une... Une prostituée, bah voilà, tu vois, c'est pas, pas cool, quoi. Tu vois ce que je veux dire Genre vraiment. C euh, et c'est quelque chose, bah voyez, 2021, 2022, 2023, ça va avancer, tu vois. Mais il y a des gens, ils... Ouais, enfin bref. C'est mec, imagine si ta daronne, frérot. Et elle fait ça, genre... Parce que pour que t'ailles à l'école et tout, tu vois. Genre mec, tu vois ce que je veux dire Il y a des contextes. Il y a des contextes, mec. Tu vois. Et mais bref, là, là, je m'en parce que on, on, quand on utilise le terme fils de pute, on pense pas à la daronne ou, ou à la meuf qui bosse, tu vois. On pense vraiment pas à ça, tu vois. C'est ça le truc. Et c'est comme ça aussi avant. C'est comme ça, c'est comme ça que les mecs sur Twitter ils ont réussi à faire des threads, c'est que ils prenaient ce qu'on disait il y a 10 ans. C'est-à-dire, tu vois, le mot p, pay", le p-word. Pay c'est contre les, contre les homosexuels, ok Le P-word, les gars. C'était un truc qu il, y a, il, y a, il y a encore 5-10 ans, et encore aujourd'hui, hein, dans, dans le rap, tout le monde le dit. Mais tu vois, on le disait tous, mais personne n'était homophobe, tu vois ce que je veux dire Enfin, personne, si, beaucoup de monde. Mais, mais tu sais, nous, les gens normaux, on utilisait le, le mode, le, le P-word, pour... C'est pour, juste comme ça, pour s'insulter entre potes, ou tu sais comme ça, tu vois c'était pas c'était pas genre euh, vraiment une insulte homophobe tu vois mais oui mais c'est ça mais, mais, mais avant en fait tu pouvais le dire comme ça comme on dit fils de pute aujourd'hui tu comprends tu peux on peut le dire comme ça mais là dans 5 ans le les clips match. où je dis fils de pute ils vont ressortir et en mode le il euh, il insulte les, les, les prostituées tu vois c'est la même c'est le même délire c'est le même délire les gars ok péripatéticienne s'il te plaît pas prostituée c'est quoi le p word c'est pdg Riton 200 bits, Andromède 300 bits euh, Merci SK pour les 200 bits Merci Goldorak pour les Twitch Prime euh, Sober, Sober, merci Twitch Prime Merci mon vieux euh, Ok, euh, bon alors toi on va te Débanne je crois, hein, c'est ça Ok, ensuite Suivant, alors Ta mère c'est nul, nul, non, non Si, et voilà Tiens quand on parlait du pédo-word. <laughs> quand on parlait du Payward les gars Et eh bien voilà euh, attends, tu pars trop loin, Locke MDR. Bah, en fait, peut-être que pour toi, ça paraît euh, petit, tu vois. Mais pour moi, c'est énorme. Pour moi, les gars, c'est le monde, en fait. Genre, c'est un monde de différence. Aujourd'hui, j'ai peur, les gars. Je vous dis aujourd'hui, j'ai peur de dire certains mots euh, qu'on entend encore dans des clips de rap, etc. J'ai peur de dire certains mots parce que j'ai peur que demain, parce que j'ai dit un mot, qu'on me dise que je suis un raciste qu'on me dise qu'on aille voir mes, mes darons, qu'on me dise que je suis raciste, tu vois ce que je veux dire Qu'on me dise que je suis homophobe, qu'on me dise des, des trucs horribles, tu vois, sur moi, qu'on m'invente une vie parce que j'ai dit un mot. Tu comprends Vous comprenez la, 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 la différence aujourd'hui C'est ouf La différence, tu vois. Et c'est difficile aujourd'hui, tu vois, en, en tant que personne publique. Tu vois, tout le monde là, là, tout le monde chez soi là, peut dire ce que vous voulez, les gars. Mais moi, en tant que personne publique, les gars, j'ai une image à entretenir et... Là, demain, je dis le N-word. Bah, demain, bah, les gars, je suis. Ah, bah, le c'était ça, en fait. C'était. Euh, c'était un gros. Euh, c'était un gros raciste, quoi. Tu vois, et. Et du coup, je connais. En fait, c'est même pas ça. Laissez-moi vous expliquer un petit peu mon, mon fonctionnement dans la tête. Du coup, en tant que streamer, tu sais ce qu'il faut vraiment, vraiment pas dire. Tu vois ce que je veux dire Tu sais, tu vois. Et, et du coup, ces mots-là sont présents. Dans ton inconscient. Parce que. À chaque fois, tu sais, ça devient une peur. Et quand ça devient une peur, c'est que c'est présent. Cette peur est présente, tu vois. Et du coup, tu es, es en mode, bah putain, il faut pas que je dise, tu vois. Il faut pas que je dise ce truc-là. Quand je parle, quand je me laisse parler, quand je parle genre de manière, tu sais, genre, je me parle, euh, je, je parle naturellement, ces mots-là sont existants dans mon crâne. Pas parce que je suis raciste, mais parce que je sais que, que si je dis ce truc-là, je suis terminé, tu vois. C'est pour ça. Alors, justement, il y a, il y a du coup les threadistes, les threaders là sur Twitter, les surfeurs là, les, les surfeurs de thread euh, sur Twitter qui vont dire Ouais, mais si c'est spontané et si c'est naturel, eh bien, ça fait partie de ton vocabulaire. Eh bien, du coup, euh, si ça fait partie de ton, pro, de ton vocabulaire, c'est que tu le dis très souvent. On t'a eu, le pire, c'est terminé. Donnez-moi les likes. Vite, j'aimerais avoir des likes dis Samson, merci euh, euh, Corn Gimbal pour les 14 mois. Cher 7 mois. dis 17 mois. Euh, Sabiaïl, euh, tiens 1 du van. Tony, euh, 5 mois. Maintenant, les gars, si je dis. Euh, tu vois, les. Euh, non, 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 on s'arrête. <laughs> si, je, si je dis des propos haineux envers, envers quelque chose, là c'est plus grave, ok? Mais vous comprenez tous, ok vous, vous comprenez tous. Je, je, ok, là c'est trop, trop présent là-dedans. Je vais faire une erreur, c'est trop présent. Je, je vais faire une erreur, ok Ok euh, t'es une merde, laisse-moi laisse ban enculé. Bah tu sais quoi Bah tu sais quoi Non Je te débanne, connard Voilà Tu vas faire quoi maintenant, hein Alors. Arrête de te casser la tête Twitter c'est la poubelle d'internet. Oui, Là mais c'est pas le problème. C'était insupportable à l'école, cherche encore un moyen d'exister. Oui, mais Fenrir, c'est pas le problème. Le problème en fait, c'est que oui, tu peux laisser, mais c'est chiant. C'est dominant, il y a des gens qui vivent dans le harcèlement continu les gars. Et moi, les gars, je vous le dis, j'ai peur de ça et forcément bon, aujourd'hui, franchement, ça va, je me démerde bien. Mais vous savez les gars, le, le côté le, le côté chiant d'être streamer ou d'être connu sur Internet, etc. Bah les gars, c'est on est, on est des cibles faciles. On est des cibles faciles. Demain il y a un gars, il a envie d'inventer des trucs sur moi, bah il le fait et, et il nique mon image. Demain il y a un mec qui, qui a envie de dire tout ce que vous voulez les gars, bah il peut niquer mon image. Demain il y a un mec qui fait un clip hors contexte, tous les gens qui me détestent, ils vont me retweet. Et c'est pas c'est pas juste une question, c'est la question de euh, pas entretenir les haineux, mais c'est aussi convertir. Il s'agit de convertir. Si T'as des, des gens, ils, ont, ils sont en mode neutre, à mon égard. Et là, ils vont voir le truc, ils vont être. Oh, mais quel fils de pute, celui-là, en fait. Tu vois Et c'est pas, pas que j'en ai quelque chose à foutre. Mais c'est juste à grande échelle, c'est chiant. Parce qu'à grande échelle, c'est moi, moi qui reçois les images. C'est moi qui reçois les tweets. C'est moi qui reçois les trucs à la fin. Ok C'est moi, à, à, à la fin, les gars. Tu vois, c'est moi qui vais le subir. Alors imaginez, les gars être une femme sur internet imaginez les gars imaginez deux minutes on peut pas on peut pas on ne peut pas parce que les gars euh, se faire harceler à, à, à un level les gars c'est un, un délire ok bon là j'ai virevolté un petit peu très vite sur les femmes sur internet parce que c'est plus du coup streameur sur internet ou un truc comme ça tu vois mais, euh, mais voilà c'est c'est chaud quoi c'est chaud et, et moi je vous le dis que psychologiquement c'est très dur. C'est très dur quand tu sais que la majorité est contre toi. Je vous le dis. Et ça, c'est tout le temps, pour tous les cas. Que tu sois connu ou pas, psychologiquement, c'est très dur quand tu sais que la majorité est contre toi. Et ça, les gars, pensez-y. Et c'est toujours que t'es tort ou que t'es raison quand la majorité, elle est contre toi. C'est dur, tu vois. Et surtout quand c'est contre tes actions ou contre ce que t'as dit, c'est dur. Euh... Voilà. Ok. Euh, continuons, mesdames et messieurs. Parlons ban. Parlons bien, parlons ban. 1h07, mesdames et messieurs. Euh, c'est parti, c'est parti, polonais. Pour les 10 mois, Karaz, sub offert, Fenrir 300 bits. Merci, merci, merci encore pour tous les subs. Vous êtes absolument démentiels, les gars. Vous êtes démentiels. Démentiels. Ok. Euh... Lèche mes oreilles en plastique, tu, tu feras plein de vues. Mais même si demain j'ai envie de laisser des oreilles en plastique, frérot. Je ferais tellement de vues, frérot, et j'en aurais rien à battre, tu m'entends? Mais en revanche, je serais lourdement critiqué, tu comprends? Mais en fait, moi, les meufs, par exemple, qui lèchent des oreilles, qui font de la SMR, etc., j'en ai rien à battre. Vous comprenez la différence? C'est que ces meufs-là, elles font plein de thunes, elles prennent l'argent et elles ont raison. Je veux dire, mec, euh, on... en fait, on est tous secrètement jaloux, en fait. Genre, amourante pour en parler, les gars, elles. Elle, elle a fait tout ce qui est ASMR, jacuzzi, etc. Les gars, euh, stream hot tub là. Eh bien, les gars, moi, cette pratique, j'en ai rien à branler, les gars. Moi, si vous avez quelque chose à, si vous avez quelque chose de, de mal là-dedans, si vous voyez quelque chose de mal, c'est parce que vous êtes des haineux, les gars. Vous, vous supportez pas en fait qu'une personne est meilleure que vous, fait, fait plus de pognon que vous, fait, soit mieux vue, soit, tu vois, vous supportez pas que cette personne fasse ça. Plus que vous. Parce que les gars, la, la, la finalité, c'est que. Qu'est-ce que ça vous fait En dehors de ça, qu'est-ce que ça vous fait Non mais qu'est-ce que ça te fait Que cette meuf fasse ça Dis-moi, en quoi ça t'affecte Qu'est-ce que ça fait qu Qu'est-ce qu que ça fait, les gars Frère, t'abuses un peu, pense aux mineurs. À 14 ans, à 14 ans, t'étais sur YouPorn, frérot. De quoi tu me parles Pense aux mineurs. À 14 ans, tu regardais pas des meufs qui léchaient des micros. Tu, tu, regardais, tu regardais des meufs qui se faisaient enculer par quatre gars. De quoi tu me parles Non, soyons réels. Merde. Les gars, c'est de l'hypocrite, c'est être hypocrite de dire que les gars, on n'est pas intéressé dans, dans, dans le porno euh, ou des trucs comme ça. C'est hypocrite, les gars. Soyons réels. Là, on est réels. On est véridictes. Là, on est véridictes. On est même plus véridictes, les gars. Parce que là, on est réels. Véridict, c'est autre chose. Donc les gars, genre, pense aux mineurs, les gars. Les... Non, moi je pense que les gars, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de rageux. Moi je, moi, je pense, les gars, il y a beaucoup de rageux. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y a pas le éthique, etc. Parce que quand, tu, quand, quand, quand on a le débat éthique, ok, parlons du débat éthique. Ok, ce pas éthiquement euh, bien euh, ce qu'elles font, ces meufs-là, etc. Tu vois parlons éthique. Mais qu'est-ce que vous êtes prêts à faire, tous là Pour de l'argent. Qu'est-ce que vous êtes prêts à faire vous allez vous obliger à travailler au McDonald's. Vous allez vous obliger à travailler, à faire un taf. Je parle, je parle beaucoup d'entre nous. Parce que moi, moi, je me suis obligé à travailler parce qu'il fallait que je travaille. Okay j'ai pas eu la chance de choisir mon métier. Aujourd'hui, bon, je l'ai, tu vois. C'était un hasard. Mais j'ai pas eu la chance. Et beaucoup d'entre nous n'ont pas la chance. On, a, on va devoir travailler. On n'a pas le luxe de pouvoir choisir son métier. Beaucoup d'entre nous. Et quand tu n'as pas le luxe, et même quand tu as le luxe de choisir, tu ne l'as peut-être pas. Et qu'est-ce que tu fais Eh bien, tu vas travailler pour de l'argent. D'accord, tu vas travailler pour survivre. Tu vas pas travailler pour vivre, tu vas travailler pour survivre. Et combien d'entre nous travaillent pour survivre Combien Hein Et du coup, ta dignité, il n'y a, a pas de dignité frérot. Du coup, écoute, et ce que je veux dire, c'est du coup, tu vas t'obliger à faire un truc que tu n'aimes pas faire pour gagner de l'argent. Elle est où ta dignité là-dedans C'est pareil. Tu vois ce que je veux dire Alors OK, tu te mets pas en maillot de bain. Alors OK, tu vois Tu te mets pas en maillot de bain. Mais tu te mets quand même en maillot de bain sur Instagram et t'espères que des gens vont liker. Non Hypocrite, va Hein Qu'est-ce qu'il y a Quand tu fais du sport, tu fais quoi Quand tu fais du sport Tu te mets sur les réseaux sociaux. Hypocrite. Hein Et t'aimerais que beaucoup de gens likent T'aimerais que la meuf sur laquelle t'es à fond, elle voit Hein Hypocrite. Alors, beaucoup d'entre vous, non. Je, je généralise. Beaucoup d'entre vous sont encore. Euh, et... Voilà, tu vois beaucoup d'entre vous ont, ont, ont chacun une vie. Je généralise, attention, ok Mais beaucoup d'entre vous ont chacun une vie et parfois vous le faites, parfois vous le faites pas, ok Mais je, je parle en général parce que c'est pour montrer que c'est pas si terrible que ça, en vrai. Il y en a beaucoup qui en font des caisses. Vous en faites beaucoup, vous en faites beaucoup pour rien, tu vois Genre, euh, fallait bosser à l'école, mais même pas frérot. Arrête de raconter ces conneries, c'est même pas vrai. C'est pas parce que tu bosses à l'école que tu vas bien gagner ta vie plus tard. Hein. C'est pas parce que tu bosses à l'école que tu vas faire ce que t'aimes plus tard. Okay, tension mais il est important de travailler à l'école il est important quand même de travailler à l'école de faire de, de, de suivre le cursus etc tu beaucoup de choses tu vois il est important il est important mais mais et il faut pas utiliser ça comme une excuse les gars pour, pour mal travailler ou pas ou pas avoir ses diplômes faut pas faut pas l'utiliser ce que je viens de vous dire comme, comme excuse il est important de, de, de s'instruire de travailler de, 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 de construire quelque chose autour de vous ok l'école c'est global, c'est pas vous l'école vous. Merci vous lire. à chaque fin de mois et c'est très dur. Donc donc voilà les gars je c'est critiqué je comprends mais c'est souvent critiqué parce que il y, 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 y a un phénomène de, de haine de rage en fait derrière tu vois moi je m'en bra... je m'en branle les gars en fait juste pour finir pour finir le sujet je pense qu'il y a quelque chose qui a plus à faire entre les gens qui regardent en fait tu peux plus critiquer les gens qui regardent. Que la personne qui fait le truc critique plus les gens qui regardent. Et d'ailleurs, c'est trop marrant parce que t'as des mecs sur Twitter qui tentaient des vieux clashs. Et le mec, il avait 160 000 points de chaîne euh, 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 sur son screenshot de Amourante. En gros, le mec regardait tous les jours 160 000, euh, 000 chaînes. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de points de chaîne, les gars. Et il y en a beaucoup qui tentent des, des clashs à la con, qui tentent des trucs juste pour des retweets, les gars. C'est dingue. C'est dingue. Donc, euh, donc, ouais, il faut voir les gens qui regardent. C'est les gens qui regardent le problème techniquement. Bah, Qu'est-ce que tu regardes ça T'es bizarre, tu vois, dans ce cas-là. Après, si ça te divertit, euh, si ça te refait une belle jambe, moi je m'en fous. Elle fait rien de mal, Mon balai les couilles. Fin de jeu, ok Euh, C'est pas la bonne plateforme pour faire ça. Alors, ça, je suis un peu d'accord. Mais dans ce cas-là, qu'est-ce que je suis en train de faire là, moi Tu vois, en fait, euh, qu'est-ce qu'on est en train de faire Techniquement, si tu, veux, si tu veux parler de, de, de la bonne plateforme, Twitch s'est beaucoup diversifié ces derniers, ces derniers temps, ces dernières années. Et sans cette diversification, on n'aurait pas eu autant d'expositions sur Twitch. Donc, on ne peut pas chier dans la colle et dire Ah, ça, on n'accepte plus. On ne peut pas chier dans la colle, les gars. Tu vois Ça a apporté beaucoup à Twitch. Le jazz chatting, la SMR, le euh, les live IRL, la cuisine, la musique. On peut pas. Tu vois on, on, Moi je trouve ça ok. Maintenant il n'y a, a pas une catégorie porno à ce que je sache. On peut dire que ça te fait une troisième jambe. <laughs> Allez, client suivant, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Soyez souple. Non, mais s'il vous voulez, attendez, attendez. Les gens sont responsables de ce qu'ils font, que ce soit bien ou mauvais, malheureusement. Soyez souple. Soyez souple Un peu de légèreté. Soyez souple, ok Moi, j'étais rigide toute ma vie, les gars. Et le streaming, tout ça, l'influence, ça m'a ça vraiment, vraiment assoupli, les gars, je vous jure. Je, on penserait que je deviendrais plus rigide, mais les gars, je, ça m'a vraiment assoupli, tu vois. Soyez souple. Soyez libre comme de l'air les gars, soyez modulables, ok Ne soyez pas genre fermés sur des trucs à la con. Surtout, et, et, et perdez pas votre temps avec des trucs de, de, de merde où euh, vous pointez du doigt toute la, toute la journée les autres. Genre, ok euh... euh, Bratouille, 13 mois, merci euh, Duvan pour les 300 bits. Euh... Tu fais ban Twitch pour un mot grossier et elles elle peuvent montrer les joueurs qui leur la boule, boule sans problème. Supporter après mon point de vue. Alors, je vais te dire. Alors, je vais te dire. Qu'est-ce qu'elle a fait de grave à montrer son boule Attention. En quoi c'est quelque chose de grave Toi, tu es derrière ton écran, tu regardes ça, tu te tapes ta queue, tu es trop content. Voilà, tu vois. Je vais être franc et cash. Maintenant, tu dis un propos haineux. Envers une communauté envers des gens, envers, envers quelque chose. Tu dis un propos haineux, tu propages du coup la haine, c'est beaucoup plus grave. Tu vois ce que je veux dire Même si techniquement, visuellement, c'est moins choquant, tu vois, c'est beaucoup plus grave. Elle se dénigre, ça rabaisse l'humanité. Et tu dis ça quand, quand tu es sur YouPorn tous les soirs, là Hein tu, tu dis qu'elle se dénigre C'est ça Non, tu es bien content de la voir. Tu bien content de la voir. Je parle de YouPorn, hein, je parle pas de Twitch là. Ok Ah là, es content qu'elle se dénigre. Hein Et elle est contente de se faire un salaire. Elle est contente de se faire un salaire comme ça. Un très bon salaire. Tu vois ce que je veux dire On se dénigre tous. C'est ton échelle. En fait, c'est pour ça que je vous parle de, de vous assouplir parce que c'est dans ta tête ça. C'est dans ta tête. Comment, on se, comment une personne se dénigre Comment une personne se. se sa, sa, sa dignité, etc. Ça, c'est dans votre tête, les gars. C'est pas, pas quelque chose de réel. C'est dans ta tête. C'est pas réel. Bon, allez, je vais me dénigrer, MDR. <laughs> Et en aucun cas, c'est dénigrant. Ouais, moi, je vais vous dire, euh, soyons francs, elle se dénigre que dalle, frérot. Elle se met grave en valeur. Elle se met grave en valeur, soyons honnêtes. Ok y a pas... Le mot dénigré était très mal choisi, mon frérot. Euh, Léo Masson, 14 mois. Tekiz, 200 bits. Brad Tui, 13 mois. Merci, mon pote. Ok Allez Pour moi, Twitch, tu orienté gaming. Mais non, c'est là où t'as tort. Twitch, aujourd'hui, c'est beaucoup, beaucoup. Le pourcentage de Jeff Static, il est énorme aujourd'hui, frérot. Surtout là, en ce moment, quand on est dans une période très, très creuse où il n'y a vraiment plus aucun jeu. C'est terrible. C'est dégueulasse la SMR, ça c'est ton avis. Hein. Moi j'adore. J'adore la SMR, mec. Regarde. Mon truc préféré en ASMR c'est ça, c'est le scratching. Regarde. <coughs> Attends. Il me faut une carte bleue. Ah, pas grave. Je vais prendre mon éventail de 50 balles. Ok, je vais te le faire. T'es prêt Mon éventail de 50 balles. Oh. Ok, t'es prêt T'es prêt Vous êtes prêt C'est stylé, non Tu mets ça à fond dans tes oreilles, bab Tiens. Euh, mais bon, euh, tu sais, ça, ça me fait un espèce de petit truc. Et en fait, il faut, il faut, il faut. Euh, ouais, tu détestes, mais en fait, souvent tu détestes parce que t'aimes ça. Attention, hein, c'est très psychologique. Souvent tu détestes parce que t'aimes ça. Si tu t'ouvres un petit peu à l'ASMR et que t'acceptes le fait que cette bizarritude que t'aimes recevoir des sons bizarres dans les oreilles. Eh bien mec. Euh tu grattes la rouille avec des, des billets. Qu'est-ce qu'il raconte Non, je raconte la vérité, mec. C'est la vérité. Souvent, mec, c'est parce que tu détestes un truc parce que t'as peur de ce truc. Ou t'as peur d'être devenir un mec bizarre. Ok, moi c'est pareil, au début j'étais là en mode, ouais, qu'est-ce qu -ce que c'est que cette merde là quest que ça fait à mes oreilles tu vois Et après j'ai apprendre à dire, ok, vas-y, je vais, vais écouter, je vais donner une chance. Et mec, j'ai adhéré, j'ai adhéré. Mais c'est vrai que c'est bizarre, c'est très bizarre, tu vois. Mais on s'en fout, on s'en fout. La vie est bizarre, et remplie de bizarritudes, les gars. Il y a tellement plus de trucs euh, graves. Euh, Alex, 9 mois, Arnaud, 13 mois, mon pote. Léo Masson 14 mois. C'est comme les mecs qui aiment les pizzas avec les ananas. Moi j'adore, tu vois. Pizza ananas, meilleure invention. Mais bon, un autre débat. Euh, Pichouin, deux mois, merci mon pote. Un autre débat. C'est comme les débiles qui mettent leur céréales après avoir mis du lait. Je veux dire mec, es, là, là, on est vraiment sur un niveau de débilitude. Genre mec, imagine, t'es assez bête pour prendre ton bol, tu mets ton lait, et là, et là, tu mets tes céréales. Comme ça, quand tes céréales tombent dedans, blablabla, bla il bla 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 bla, y a tout qui pète, dans tous les sens. Genre le lait, il explose dans tous les sens. Nul, t'es nul T'es nul D'abord, tu mets tes céréales, en plus, comme ça, t'as le bon dosage. Et là, tu mets le lait. Idiot va Non, mais vraiment, hein Ils sont nuls Et tu sais, moi, je pense sincèrement que les gens qui le font, ils le font exprès. De mettre d'abord le lait, pour être quelqu'un de spécial. Ah non, moi, je suis pas... Ah pas comme tout le monde. Ah non, ah non, moi, je suis pas comme tout le monde. Hein. Ah, moi, je fais les choses différemment. Ok C'est une logique. Là, là, on est même plus... Là, là c'est logi... la logique, ok C'est la logique. Putain, vous vous rendez compte ce genre de débat chocolatine, chocolat? Euh, les gars, euh, ce genre de débat, c'est ce qui intéresse. Qu'est-ce <laughs> qu'on est, qu est con, putain? <laughs> hey Steve, merci, mais les cinq, merci Xander pour le tir 1. Merci, mon pote. Et tu fais chauffer le lait. Attends, 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 attends. Révélation. Donc, tu mets d'abord le lait dans le bol pour faire chauffer le lait. Et ensuite, tu mets tes céréales après. Ok, attends. Du coup, ça, ça a plus de sens. Là, dans ce cas-là, t'as le droit de le faire. Tu vois ce que je veux dire Là, ok. Les deux, les deux se font, du coup. Les deux se font. Moi, je comprends parfaitement, alors, là. J'avais jamais vu ça comme ça. Lait plus cacao au micro-ondes et après, tu mets le truc. Ok, ok. non, non, là, je comprends parfaitement. Mais l'effroi, toujours pas de débat. Euh, l'effroi, ouais, parce que ouais, l'effroi. L'effroi. Moi, moi, je les l'effroi, mais après je comprends. Tu me, tu me les chaud j'aime bien aussi. Mais maintenant, je suis au lait de coco et je préfère froid. De quel côté tu mets ton papier de toilette Je m'en bats les reins, frérot. Autant que j'ai du PQ, hein, j'en ai rien à foutre. Attends, vraiment C'est c'est une question d'état, ça Est-ce que tu le prends avec ta main droite ou est-ce qu'il le prend avec ta main gauche Quand tu vas dans les chiottes publiques, tu regardes de quel côté tu mets ton putain de papier de je suis droitier, main droite. Tu sais quand tu, quand, si j'ai le choix de choper le roulet de PQ, tu sais je mets mes deux doigts comme ça dedans. Attends, mais ça m'arrive de le faire de l'autre côté. Non, 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 c'est toujours le PQ dans la main droite, toujours. <laughs> debout, assis, debout. Tu crois quoi, les mecs, les 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 noobs là. frérot. Frère, je veux dire, je veux dire, Ok, t'es assis, t'es assis, mec. Comment tu fais pour t'essuyer le boule Genre, Comment tu fais C'est de la merde. Tu te lèves et clac et là, t'as tout le rayon là, tu vois. Tu, tu peux tout faire, tu vois. Mais quand t'es assis, frérot, quand t'es assis, c'est compliqué, c'est complexe, c'est chiant, tu vois. Non Mais le team debout. Et en plus, il y a les grosses couilles qui bloquent, PQ, tu vois. Est-ce que je regarde l'état du PQ Non, non. Mais, euh, mais effectivement, je. Il y a un moment dans ma vie, je regardais l'état du PQ mais, euh... mais sinon, non. Le scam train, faites-vous scam vite, c'est le septembre vite. Euh... Toilette Jap, oh là 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 les gars. Là, moi, moi, je sais hein les gars. Dès que j'ai un chez moi, genre dès que j'ai un chez moi les gars. Un, un, un vrai chez moi de ces genres Parce que là, je loue Mais les gars dès que j'achète Mon mec C'est fini le PQ C'est terminé Plus jamais le PQ les gars Je suis pas encore arrivé au stade En fait les mouchoirs c'est terminé euh, Là le sopalin il faut que je le dégage de ma vie les gars. Là, là mon, ma, première, ma deuxième étape c'est de dégager le sopalin et, et de manière ultime Le boss ultime c'est le PQ et avec le bidet, les gars, je le pense avec que j'utiliserai moins de PQ, tu sais mais j'aurai toujours du PQ en, en backup, tu vois. Mais euh, tu sais, du coup, j'utiliserai trois fois ou quatre fois moins de PQ. Euh... Parce que du coup, tu fais serviette avec bidet, les gars. T'as le bidet qui te nettoie le boule, tu vois. Et après, tu prends une serviette de bain et hop, tu nettoies. Et ça, c'est le. Ça, c'est... Là, là, t'arrives à ce niveau-là, t'es un boss, tu vois. Parce que là, tu consommes plus de PQ et là, t'es un boss. Mais c'est vraiment dur de s'enlever de des trucs au quotidien qui, qui baissent la, la planète, qui baissent tout, tu vois. C'est dur, quoi. Et l'eau alors Et, et l'eau alors Quoi, l'eau alors Est-ce que c'est de ma faute que la France met l'eau potable dans les chiottes c'est de ma faute ça ou pas C'est de ma faute ça Que la France met de l'eau potable dans les chiottes Pff. Ça c'est pas de ma faute, ok C'est quoi un bidet Un bidet Tu sais, c'est les chiottes euh, japonaises là. Où, euh, où en gros euh, ça, ça tire un jet dans ton boule. Tu sais, t'es assis tranquille. Et là t'as un jet. T'appuies sur un bouton et t'as un jet. Et t'as plusieurs niveaux et ça te tire un jet de, dans ton trou du cul pour te l'essuyer. C'est génial! Attends, c'est pas ça un bidet? C'est quoi un bidet? Comment t'appelles comment ça? Bidet, c'est pour les pieds? Ah! Bon bah voilà, vous avez compris en tout cas le truc pour essuyer le trou de balle là. Ok? <laughs> Sérieusement? Et Tiki's Qui passe en surcharge directement Merci beaucoup mon pote pour les 50 subs, t'es un amour. Merci 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 mec. Et toi t'en fais trop toi, toi t'en fais trop. Laisse les autres riches, laisse les autres sales riches du chat supporter un riche, un pauvre riche de streamer. Hein Mais la vérité c'est que je parie, je suis pauvre. Je suis pauvre. Euh, Romanov, 5 subs, Bang. Twitch Prime. Tiens, un pardon. Merci bien, à toi. Merci beaucoup mon vieux. Merci Tiki's. Merci, on vieux. Merci pour le Scrum train, les gars. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de monde qui a envie de monter à bord, donc euh, ça fait plaisir. Euh... Tu t'essuies. Alors, c'est ça le truc c'est que euh... un bidet installe un jet d'eau. Ouais, enfin voilà. Bref, les gars, bref, bref, bref. bref. Arrêtez de me demander comment je m'essuie le trou de balle. Ok. Euh, Azrael Devils pour les 5 subs. Merci 200%. Merci beaucoup, mon vieux. Euh... Matonixy pour le Twitch Prime Bienvenue à toi merci pour le Twitch Prime gratuit mon pote Merci mon vieux euh, Maintenant les séchables il y a un ventilo chaud Pour sécher Non c'est trop fort C'est trop fort Ça c'est trop fort Moi je veux ça Moi les gars je veux ça euh, Moi là dans mon, dans mon futur chez moi j'aurais ça J'aurais panneau solaire Alors je suis pas encore ultra renseigné sur le panneau solaire les gars euh, À part sur les économies que moi ça va me faire Mais panneau solaire c'est la bombe les gars euh, après il paraît que ça se recycle pas et que c'est chiant. Euh, Dame toco Twitch Prime NTX 3 mois Apex 1000 bits du Ventoli 10 subs, merci les gars Azrael Devise 5 subs, merci encore mon pote. Lingette obligatoire pas assez assez ça, L'uranium ne se recycle pas non plus. Alors là c'est le débat nucléaire, c'est ça L'uranium, c'est du clair. Attention la chaleur, c'est dangereux pour les bourses. Mais tu te fous de ma gueule Comment ça, la, la chaleur, c'est dangereux pour les bourses meilleure hygiène. Si vous avez de la merde plein les mains, vous préférez-vous l'étaler avec du papier ou vous rincez à l'eau Mais attends, on parle du bidet ou Parce que moi, Bobby, je parlais pas vraiment du bidet du coup. Moi, Bobby, je parlais du... du. Euh... C'est du jet d'eau là, comment ça s'appelle comment, comment on appelle le jet d'eau les gars Voiture électrique, pour l'instant c'est pas du tout écologique. Euh, moi, je, moi je sais pas, je sais pas me prononcer là-dessus. Sur mon relevé de compte, il y a que du Twitch, c'est normal. <laughs> yeah baby Attends, j'en suis où là C'est bon. Mad Twitch Prime, Romanov, 200 bits. lux Ghost, 1000 bits. Merci beaucoup. Euh, Dark Kush, tiers 1. Merci beaucoup, les gars, pour le scam train. Spitoven, 200 bits. Merci beaucoup, mon vieux. Un bidet, bande de noobs. Et pendant ce temps, la BG de la nuit attend toujours eu son bancs et. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, mais j'ai la nuit l'attention des vannes, alors... Ok, sujet suivant, mesdames et messieurs, pub Twitch, euh, Mass Effect... Ah. Bonjour, j'étais en mode full no brain, c'était Alex Réveillé, j'avais pris un lien, j'avais copié-collé... Oh, j'ai jamais voulu envoyer ce lien... Dans le chat du stream, je m'en suis rendu compte. Franchement, tu me casses les couilles. Vous me cassez les couilles. Avec vos pubs de merde, là. Euh... C'est l'heure du flex, hein Coucou YouTube. J'aurais dû recroiver. <laughs> euh... Oui, t'es la... la meilleure des copines, Locke. Après, on n'en parle pas assez. Mais... Mais Madame Locke prouve que les femmes, c'est à la cuisine. Alors... Misogynie plus respect de Madame Locke. Euh, Je pense que mec, 48 heures, c'était suffisant, frérot. 48 heures, c'était suffisant, non. Ça va euh, Ouais. J'ai voulu que Madame Locke était un homme. Je recommencerai plus, promis. Bon, ça, ça va pas, ça. C'est quoi ça ah ouais, ça, ouais. Ça, ça, une... ça, tu vois, il a tout ruiné. Il a tout ruiné je peux rien faire pour lui. Hein. Euh, zéro de QI, trop nul, demandez pas Locke. Je voudrais être débanni parce que c'est pas gentil de bannir les gens. Et c'est gentil de dire ça à des gens. Alors, alors, sujet suivant euh, c'est un baiser, fait, gars. fais gaffe. Au... Fais-moi grimper au rideau, Locke. J'ai envie de renifler les Locke, on ken. Fais-moi saigner, Locke. Change de jeu. Change ou je nique tes morts. Putain, c'est moi qui l'ai ai demandé ça <laughs> C'est moi qui l'ai ai demandé ça ça ai souvent, raison. Je tiens à m'excuser pour mon comportement J'ai agi de cette façon car j'étais En pleine séance de Ouija Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel là Et malheureusement je ne me contrôlais plus Le démon en moi sommes gravement désolé Le démon et moi sommes gravement désolé J'aimerais reparticiper au chat Pour claquer mon poème merci Il n'a jamais... jamais claqué son poème, si Bah, il peut pas le faire s'il si est ban. 20% si vous êtes si, avec, sur les gift subs. Oh là là. Euh. Vas-y, allez, c'est bon. Bah. Menace de mort, connard. Euh. T'es un Yankee Non, je. Non, non, non. non, non. Prends un timeout d'ailleurs. Prends, prends ça. Prends ça. La qualité d'image est incroyable. Locke. Lisa va mourir à la flamme. Laure va mourir à la fin, John va mourir à la fin, Robert meurt à la fin, Stan va mourir à la fin, Mitch va mourir à la fin. Le mec dans la shot va mourir à la fin. C'était quel jeu C'était Road 96. <laughs> euh, D'accord, et c'est un vrai spoil Je sais pas, je connaissais pas le jeu. Mais là, du coup. Non, c'est pas un vrai spot. Non, con. de voir que personne est mort. Il a juste cassé les couilles. Est-ce que vous bah, savez qui est mort proches. à la fin Mon chien, je mérite d'être débanni à la suite de cette injustice. Qu'est-ce qu'ils sont cons, putain. Là, là, je peux pas, là, je peux pas. Il a trop forcé, je peux rien faire. Il a trop forcé, je peux rien faire. Il, il forcé, peux rien faire. Euh, bonjour. Alors, je disais juste ça parce qu'il était en train de conduire entre plein de voitures. Du coup, euh, je pensais qu'il allait mourir. Voilà, le mec va mourir. Ah. Ah ouais, ouais, ok, ouais. Là, 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 les gars, et doucement. Hein. C'est vrai que ça ressemble à un spoil. Attention, les gars, vous voyez, quand vous écrivez, quand on, quand on fait un jeu solo, attention quand vous écrivez, les gars. Vous avez vu, ça peut être pris comme un spoil. Ok. Alors, vous abusez là J'avoue, c'était une blague à chier, mais c'est bon, vous êtes pas, pas débile. Alors, à la fin, tu meurs. Tout le monde sait très bien que c'est faux. Ok, j'accepte de m'être fait ban pour insolence. Parce que je l'ai fait euh, juste pour, pour tester si j'allais me faire ban. J'ai compris mon erreur. Mais comment tu testes, mec Et après, tu viens chouiner Pourquoi vous testez Arrêtez de tester Il teste Est-ce que dans la vraie vie, mec, quand tu vas braquer une banque, genre, est-ce que tu vas tester de braquer une banque pour savoir si tu vas te faire prendre ou pas Genre, mec, est-ce que dans la vraie vie, t'arrives dans la super tu fais. Fuck the police De ta thune, de tout Et là t'attends la keuf Là tu prends la thune et t'attends la keuf comme ça Bon bah écoutez, c'était une expérience sociale pour savoir si les keufs ils allaient venir. Excusez-moi hein, de vous avoir mis un coup de pression avec un vrai gun sur la tête. Bon on va attendre, hein. on va attendre. Oh, oh merde il y a la police Merde euh, Non non euh, vous testé, j'ai testé, c'était un test C'était un test, j'ai testé Vous êtes con quoi Bon, je t'ai tiré dessus au pistolet et je voulais tester pour voir si ça tuait quelqu'un. T'es bête T'es bête ou quoi Boum, oups Oups Je voulais tester, t'es mort du coup Bon. Euh, Locke la salope. Mal poli. Sex. J'avoue. Sex, 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 sex. Euh, ok, euh, un mot modérateur. Modérateur abonné depuis 24 mois. Lance pas d'autres gros jeux solo avant. Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que je lis Ah c'est moi qui les ban Vadine la timeout et moi je les banne. STV débanne, moi mon chat a sauté sur mon clavier à plusieurs reprises tel un kangourou. Non, 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 ça marche pas. Euh, tu t'en fous de l'argent parce que tu l'auras plus. Après, tu vas incarner plusieurs personnages au fil de l'aventure. C'est pas vraiment un spoil, je trouve. <laughs> il a quand même eu le temps de dire euh, Les gars, c'est pas vraiment un spoil. Là. Vite, 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 vite. Et là, il s'est fait casser la gueule. Ok, il a l'air de bien avoir compris euh, sa, sa, sa leçon. Euh, deux de QI. Demandé par Locke Wesh, pourquoi j'ai été ban J'ai rien fait. En plus, j'étais en. En, tra en train de faire autre chose euh, avec le live au fond, bizarre. Allez, c'est bon. Trop d'insolence, trop d'homophobie, niquez vos mères. Euh... Ok, ça c'est ça, ça, mort, frérot. Et ça aussi, hein, c'est l'abréviation du N-word. Quel con. Je voulais dire NGL. Qui veut dire Not Gonna Lie. Ouais, j'avoue. J'avoue. Ouais, j'avoue. Il en oui, ouais, a mis ça, un, ouais. un autre plus tôt. J'ai regardé, mec, le L, il est trop loin. Non, mais frérot, non, mais c'est même pas ça, les gars. Il nous prend pour qui, lui Et en plus, là, pour On n'avait pas, pas besoin d'ouvrir une investigation quoi Il nous prend pour qui, ce fils de pute Pour des cons Ouais. <laughs> Je me suis trompé et je pense que euh, ce que. Et je pense que ce que je. Euh, ce, je pense que ça a écrit était bannissable. Je suis vraiment désolé, maître Locke. J'ai Twitch Prime. Bah, claque-le ton Twitch Prime, mon frérot, mais. Je peux rien faire pour toi, là, mec. Je casse les couilles. Hein. Euh... Ok. Mec, t'arrives, t'écris. T'écris le n dans tous les sens. Tu t'essayes de trouver les failles et après tu mens. Et après tu me mens. Et après t'essayes de Correcteur de me dire que, que tu vas claquer pas. le Prime. Même si j'adore les Toujours Prime, putain de merde. Tu vas, tu vas me dire de claquer. Tu vas me claquer dans le Prime pour, pour ne plus être ban Chien. Mais t'es parano, gna, gna, gna Fin du jeu proche. Vador is coming. Genre, allez, ciao, je te laisse dans la merde. Fin du jeu proche. Spoil. Vador is COMING ah. Déjà, il a eu pas du spoil, ok. Je pensais que personne verrait, mais apparemment, les modos sont trop rapides. J'irais plus respectueux. Je suis désolé, les gars, j'ai tiré une balle d'AK-47 dans la tête euh, d'un mec dans un centre commercial. Mais bon, je pensais pas que les modos, ils, ils, le, le vigile à l'entrée, il dégainait si vite son gun. Du coup, il m'a eu, quoi. Euh... Je suis assez pour être déban. Allez, pas de spoil, c'est bon, il a compris, il a admis son erreur qu'il a spoil, ça me va. Ça me va 430 requests encore, putain. On devrait faire une deuxième session, les gars. Une deuxième session de contenu. Dommage pour ceux qui, ont à, qui vont attendre. Hein. Il y a des gens qui vont attendre. Hein. Tout ça pourrait être drôle, tout ça pourrait être drôle, les gars. Euh, c'est trop... Gros nul, t'es éclaté, le clear. Pff. Excusez-moi d'avoir liké. Ok, c'est moi qui t'ai ban. Vas-y, c'est bon. Euh, c'est le pire chat que j'ai vu. Ah, c'est moi qui t'ai ban. Tu vois Je suis là. Hein je suis là, les gars. Vous me prenez pour un con, mais je suis là. C'est vrai que tout le monde fait du spam dans son chat, mais bon, je n'avais pas, la, je pas la, à le notifier, DSL. Il est très bien, mon chat. Il est très, très bien, mon chat. Soit tu sautes au bon moment, soit tu vas sur le côté. Demandé par Locke. Faut sauter au bon moment, je pense. Non, il n'y a pas de je pense. Désolé d'avoir je voulais aider Locke et je pensais vraiment que ce serait une bonne idée. Ok, c'est valable, c'est bon, ça me va. Euh... Pas stack Eren va mourir. C'est quel jeu ça encore Road 96 C'est un, un, un animé. C'est quoi Un animé. Un animé, manga, ce que tu veux. Et du coup, c'est vrai ou pas ah bah on va pas te dire Ah ouais non c'est... Ouais mais si... Dis-moi si c'est vrai. Ah l'écrit. Je sais pas si les autres connaissent donc.. Attends mais là j'ai deux réponses différentes là les gars. Ah je sais pas si on a Ah pas la mienne. Bah euh... Ok. Faut dire que si vous avez <laughs> vu hein. Allez dégage, je te dégage. Ouais. Allez le problème c'est que j'ai pas la ref, j'ai pas la ref les gars. Je suis désolé, je suis désolé les gars, j'ai pas la ref, j'ai pas la ref, ok? Je suis désolé. Ok. Euh... J'ai rien dit, j'ai rien dit, hein. J'ai rien dit, j'ai rien, rien dit, ok? J'ai rien dit. Euh, je t'aime pas, Grenoble. Non, je rigole. T'es mon serial préféré. Euh... 6 000 dans ton lit. Euh, euh, ouais, ouais, bah venez, 6 000 dans mon lit. Et eh, franchement, mec, j'aimerais bien... Euh, non, je vais pas dire ce que j'ai dit. J'allais dire que j'aurais vraiment kiffé. Avoir... Genre... Tu prends 5000 000 viewers. Prends un lit et je, et je me mets dedans. Mais non, non, non. Non, non. Coyote, 17 points. Merci à Evo pour les 2 mois. Merci à Crosstie Clown pour les 3 mois. Est-ce qu'à 200 bits... Merci, merci beaucoup, gars. Alors, il a une question de TikTok. Bonjour, j'aimerais m'excuser de mon comportement dans le chat. Et il a pas compris, tu vois Il a pas compris. Il a pas compris. Il n'a pas compris. Je pense avoir été banné suite à à mon lentillage. C'est à dire quoi À déplacer l'entillage et langage Il a réussi à chier ça. Bah, je sais pas. La déplacer et envoyer un lien TikTok. Voilà, je voulais m'excuser et encore une fois, svp, Monsieur Les modos, ou Monsieur le clear, et moi, merci de bien vouloir exaucer mon désir. Eh bien, vos voeux sont exaucés, Monsieur. Euh, YouTube, 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 grosse merde. Le clear, le clear je suis vraiment désolé. J'étais traité de grosse merde parce que je n'assume pas d'en être une. Oh. J'espère que tu seras un pro sur à Infinite. T'es pas une merde, mon pote, t'inquiète. Ok, alors. Euh, ouais, les yeux bridés, c'est pas ouf, bordel. Ok. Les bridés, ok. 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 Euh, C'était pas le jour où je parlais des yeux bridés, justement dis... C'était le jour où je disais, les gars. Euh, Genre vu que j'ai les yeux bridés, mes yeux s'hydratent moins. C'était ça non C'est un essai de ne pas rien. donc. Euh... Ah ouais bah c'était ça alors. C'était ça. Euh, réaction aux vidéos faut suivre. En plus j'adore les j'adore les nems bisous. <rire> 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 oh, quel bisou. <laughs> Oh merde, putain. Es, c'est comme quand tu fais de la merde et après tu dis, ouais, eh, mon meilleur pote il est renois. Genre, arrête. C'est horrible. Allez, c'est bon, je te le banne parce qu'effectivement, a... je parlais des yeux bridés, les gars, et bon. Il, a, il en a profité pour sauter, mais, mais frérot, fais gaffe, c'est pas cool, tu vois, dans un chat public. Euh, la tank, Locke, ta tante elle twerk fort. Ta tante elle twerk toujours au bout de la rue, frérot. Bande de gros suceurs, 11 k viewers alors qu'il ouvre même pas sa gueule, c'est trop du cul. Attends, c'était ce cas jeu. 10 juillet, 10 juillet. C'était ce cas jeu. J'avais 11 000 personnes, mec, et j'ai dû être concentré à faire un truc, non C'était le 9 août. Ah, attends, ah merde. Ah non, c'est son compte qui a été créé le 10 juillet. Un mois, il a tenu un mois. de sur Getting Over It. Ah, et non, et non, c'est, je suis désolé d'avoir dit que ça tente twerker, c'était pas vrai, parce que c'était ta sœur en fait. Alors, je pense que t'es pas bien dans tes baskets, frérot. Mais je te donne une chance. C'est bien. Ça, c'est bien, les gars. C'est moi qui les banne. Eloq m'a ban pendant la vague de liens pour la soirée du rire. Au moment du ban, le mec. Euh... Le mec, pas drôle, il a ripé sur mon nom. Il y a une raison pour laquelle je les banne là, j'ai cliqué sur le lien là. Les, guas... les gars, c'est quoi le lien Je pense que au, moment, au bout d'un moment, t'as dit « ouais Stop les liens, les gars ». Il y avait des gens qui mettaient encore des liens, t'avais laissé 30 secondes et tous ceux qui mettaient des liens, tu les avais ban. Ouais, c'est ça. Ah, ouais, okay, okay, ça. ok, 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 ok. Ok, vas-y, c'est des bannes. Donc, ouais. Ou alors, c'est euh, c'est un truc bizarre. Un, deux, deux. Oh, la, la vidéo, elle est pas ouf, quand Ah ouais Ouais, la je vidéo, elle me semble un petit peu euh, ah. raciste. Ça. Ta voix, elle est robot. Je sais pas. Ouais, il est ah. sous l'eau, là. Le racisme, ça te, ça te fait perdre la voix. Ah euh, ouais, euh, bah ça <laughs> me choque. Euh, je vais pas être des bannes, STP, je refais. Ouais, c'est bon. Toujours à faire votre putain de pub. Dark Vader, Dark Vader, c'est pas moi à sa place. Euh, c'est possible qu'ils disent Dark Vador quand il y avait déjà Dark Vador à l'image, euh... mais Kuzan n'est plus avec nous. Et je pense que ouais. non, 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 mais j'étais avec lui ce jour-là et justement à partir du moment où on a vu Dark Vador euh, apparaître, on a arrêté de ban. Donc non. Ok, mais bah, il est quand même de ban. Non à l'indifférence. Non, mais je suis d'accord, je suis d'accord. Mais c'est juste que il faut faire preuve aussi de légèreté dans la vie, ok D'accord. Là, on est sur un chat Twitch. T'as des gamins de 13 ans, frérot, et eh bien ils lâchent des, des, des gros trucs, des grosses bombes. Et eh bien, mec, ne me dis pas qu'à 13 ans, t'as pas lâché des grosses bombes, hein, frérot. Donc, il euh, y a un moment, il faut un peu de légèreté dans la vie, mec, et, euh, et comprendre qu'il y a des enfants aussi, et, euh, et que tout le monde peut dire de la merde. D'accord J'en ai marre de, 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 de devoir redire ça. D'accord Mais les gars, euh, euh, ne me dites pas qu'à qu 13 ans, ou 14 ans, ou même 16 ans, euh, vous n'avez pas lâché des, des énormeries, quoi. Moi, putain, j'en ai lâché des saloperies, hein. Les gars, j'en ai lâché des saloperies. Je suis honnête avec vous. Hein. J'en ai putain de lâcher des saloperies. Vraiment. Entre 12 et 16, 17 ans, les gars, j'en ai lâché des conneries. C'est vrai que c'est l'élection, j'en 14. Mais t'es pas, obli pas obligé à 14 ans de lâcher des dingueries. Tu vois ce que je veux dire Tant mieux pour toi si tu lâches pas de dingueries. Dinguerie. Sur les vocaux euh, PS4. Ah ouais, mec. Mais, mais sur les vocaux et tout, euh, moi en ligne et tout, j'étais infernal. J'étais infernal. Mais tant pis, tu vois. Tant pis, c'était comme ça. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un de, de, de mauvais Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'horrible dans la vie Franchement, j'estime que je suis quelqu'un de bien. J'estime vraiment les gars que je suis quelqu'un de bien. Les gars. Et sans me vouloir me vanter ou quoi que ce soit, je fais de mon mieux pour être au top, tu vois. Et c'est pas. Et on a tous fait des mauvaises décisions, etc. On a, on a tous dit des mauvais trucs dans, des fois dans la vie, tu vois, qui ont eu même eu parfois des conséquences. Mais bon, voilà. Parfois, il faut. Euh, voilà. Il faut comprendre euh, l'aspect de la deuxième chance aussi. Ok Moi, on m'en a donné des chances. La vie m'en a donné des chances, les gars. Notamment celle du streaming. Bah, la, la, les gars, hein, ma vie m'en a donné des chances. Je vous le dis. Alors, j'ai tout fait pour, les gars, aussi. Mais j'ai de la chance. Et. Voilà. Euh, tu peux faire une dédicace à Jad Auré Attends. Quand tu vas prendre aussi, ça se dit plus grand streamer, mais il, a, mais il lit même pas son chat. Aïe aïe aïe, toi ça picote hein. Ça se dit plus grand streamer déjà, en plus j'ai jamais dit que j'étais plus grand streamer, j'ai dit meilleur Avenger, c'est complètement différent. Et, et, et là, le gars il lit pas son chat. Alors, alors je lis pas mon chat mon frérot Bon, je reconnais que j'ai pas été sympa avec toi et je t'apprécie beaucoup. Tu sais, ce soir-là, je sais pas euh, ce que j'ai fait, j'ai déraillé. Vas-y, t'inquiète. <laughs> et, et lui, je, je, les gars, me connaissant, je sais ce que j'ai dû dire. Ah, attendez, excusez-moi. Probablement régler mon micro Ok Alors lui, euh, il va dégager, hein. On entend tout ou non T'as as, as rien, rien entendu. Bonjour, je m'excuse pour mon comportement abusif et déplacé. Je suis entièrement, je regrette les faits. Je te demande une deuxième chance pour me racheter, je te le promets. de Ne plus reproduire ce genre de choses cordialement. Tu vois Les gars, lui là. Ok, chat, je vais vous poser une question. Lui, il a dit des choses quand même chiantes, graves, etc. D'accord Mais clairement, il a, il, a, il a 12 ans. Ok et, et, et vous pensez que là, là, moi j'ai une décision à faire Techniquement, la décision logique, c'est de le, le battre et pas de lui donner une deuxième chance. D'accord la tex... Ça, c'est la logique. Mais imaginez-lui en tant qu'être humain. Ok Même si parfois on a tendance à s'en battre les couilles. Mais imaginez-lui en tant qu'être humain. Il... Il a reconnu son erreur. Il sait qu'il a l'air Il Il a merdé. Ok <rire> Antisémite. <rire> Je viens de voir la raison du ban. Antisémite. Euh... Donc, tu vois, là. Moi j'ai le man. Et je lui donne une bonne chance, ok? Maintenant n'oubliez pas, les gars. Hein. Il récidive, c'est con. Il il retrole. Mais vous avez vu, hein, Mais Modo il voit tout. Il hein. y a rien qui passe. Y a... Et ça qui est intéressant dans mon chat. Beaucoup de gens sont là en mode chat cancer, Mais il y a rien qui passe. Il n'y a rien qui passe. Mes modos ils sont là, hein. malgré le spam, mes modos sont là. Moi j'ai les yeux aussi, hein. moi j'ai les yeux vifs. J'ai les yeux vifs, je peux vous dire. J'ai les yeux vifs. Y'a rien, hein. y'a rien qui passe sur mon chat. Et j'en suis grave fier. Hein. Et je suis fier de mes modos. Et on peut les applaudir. Et on peut les applaudir, les gars. On peut les applaudir, les gars. Je suis fier de mes modos. Bande de con. Bon étonné qu'il n'y ait pas quelque chose à la fin. Report channel points. Alors lui, je les banne. Je comprends que c'est ton stream, mais il y a tout de même des règles Twitch à suivre. Oh la la. En gros, 5 subs. Merci à Islanders. Merci beaucoup mon pote. Merci beaucoup. Nova Code pour les Twitch Alder, 13 mois. Merci les gars. Nizoune, Sub Offert, 8 mois. Coyote TV, 17 mois. Merci beaucoup les gars. Les gars, imagine tu tiltes parce que j'ai fait un vote. Oh là là. Et voici un passage euh, concernant les prédictions. Viewer who believes that a creator has violated Twitch policies by posting an improper question or incorrectly identifying the outcome of a question may send a report to Twitch for our moderation to team review. Sinon, on regarde ça en inverse sur Guild League. Quand tu seras joué. Ciao, Lagnio, omelette, défenseur des viewers. Imagine frérot, le mec a demandé à, ce, à Report ma chaîne. Il, en, en gros, je t'explique. Imagine mec, moi je me fais ban pour ça. Parce que des points virtuels, je vous les ai arrachés. Tu sais, j'ai fait, fait un vote en mode, euh, est-ce que, euh, est que je tue le boss en moins de 50 coups J'arrive à 51. Et là, je fais gagner euh, les, les, les autres. Non et du coup bah les autres ils ragent parce que je fais gagner les autres tu vois etc Enfin vous connaissez hein vous, vous connaissez comment ça se passe ici Maintenant quand il y a les gens qui me cassent les couilles oh, bah, de... Ouais raboule les points des trucs comme ça Bah non, non en fait non 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 en fait Regardez on va lancer une prédiction tout de suite Et il y a 50-50 y a chances de gagner Voilà vous avez 50 chances ce sera mon humeur qui va vous faire gagner Donc 50-50 euh, de chances de gagner les gars On va lancer une prédiction tout de suite a vous de, de jouer si vous voulez parier vos points. Et il euh, n'y a pas de question, il n'y a rien. C'est juste euh, on parie pour parier. Donc je te banne mon frérot mais, mais clairement tu, tu veux plus me faire du mal qu'autre chose à vouloir reporter la chaîne. Alors, Serotonique, un ban qui est ban le 18 août 2021. C'est très récent, hein. on est en train de regarder les gens trop récents là. Allez hop, c'est terminé. Je vais débanner les plus anciens maintenant. Eux, ils attendent depuis deux mois frérot, ok euh, Pardon, je devrais mettre spoil avant et ne pas spoil du tout. Ça va, il a dit que le, le, le combat final était dans le vaisseau. Ça va, tu vois. Vive Staline. Vive scatophilie. Ah oui. Je vous baise, bande de putes. Je peux être débagné SVP. Euh, C'était... C'était... Pour... Regardez, je ne sais pas si vous voyez. C'était... C'était. Pour voir un truc euh, que mon ma montre et ça marche pas. Que, que, que mon ma montré. Ouais. Vous avez vu, hein? Non, j'aurais préféré CT, euh, les gars. Que c'était. Hein? Vraiment. Hein? C'est à deux mois ça! Allez. Nul, nul, nul comme réponse. Nul, nul, nul. De toute façon, je n'ai rien à foutre, ok? Euh, alors. Je mange la pastèque pour ceux qui veulent. Pas du melon! Même si j'adore le melon aussi également. Alors. Il euh, y a deux mois, mes mesdames et messieurs, on passe au ban il y a deux mois, ce qu'on qu aurait dû faire de depuis le début. Mon monteur t'a ban. Mon monteur est pas trop sévère. Hein. Cheater. Joël va mourir. À ah, toi, toi frérot. Comment ça, il y a deux mois Ah, a il a fait la demande il y a deux mois. Oui, c'est les demandes, les dates. Ah ouais, donc là, il a vraiment spoil. J'aimerais être débanné. Mon frère s'amuse à me faire bannir sur tous les streams. Non, 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 suce ma bite. Suce ma bite, c'est bon. Euh, Nanashi. Euh, c'est quoi le jeu L'appel, bouffon. Crise avec ton anus. Creuse avec ton anus, Grenoub. Et Nick les p Mon petit frère a pris mon tel. Désolé, Grenoub. Non, mais. Les gars, pourquoi c'est toujours culer de petit frère pourquoi c'est toujours votre enculé de petit frère Ça passe pas, hein, c'est mort. Hein. moi je m'en bats les couilles. Hein. Même si c'est vrai, bah t'iras créer un compte avec ton petit frère. L'immensité de Louis, Louis Vuitton. Putain mec. Exceptionnel Quoi On a un fan de Louis Vuitton Euh. Ok. En quoi se concernent les gens qui habitent à Malte Je pose une question légitime et il me répond pour baiser ta mère. <laughs> <laughs> euh, euh, et c'est moi qui ai banni. Tu as raison, reste à Malte. Je suis bien, je suis bien, frérot, à Malte. Je suis grave bien. Je vais, je vais, pour le moment, j'y reste. Bon, il mérite pas le ban. Hein. Tu mérites pas le ban, petit con. T'es un gosse. Eh hey, hey, vraiment, si t'es pas un gosse, t'es où Nique ta mère avec un euro. Vadine. Désolé. Allez, allez suivant Et tu apprends, ok alors là Oh putain on a du débat, là on a du débat, Ouh là, là c'est un débat Belle mentalité Locke, belle mentalité Donc tu vois une femme se faire, oh t'as, oh, on a un gros débat là Donc tu vois une femme se faire frapper Elle se démerde alors, belle mentalité frérot C'est beau dis donc Ok, là il y avait vraiment un débat c'est vraiment une merde connard Pris pour qu'il ne t'arrive jamais rien quand elle, est, euh, quand elle est dans la merde Toi il y a des gens qui n'ont plus rien C'est pas ton truc euh, Une femme se fait taper Tu es la Payword Qui se barre en courant euh, Alors c'était C'était Kingstar je crois Qui, qui s'est fait dérouiller la gueule Parce qu'il avait défendu une meuf il s'est fait dérouiller la gueule Par plusieurs mecs euh, Parce qu'il avait défendu une meuf je crois Et euh, Ah, apparemment, c'est un grand fan de Silicon star parce que j'avais dit que quand star m'intéresse pas parce que c'était, c'était à l'époque où il était full, uh, full, Fortnite, donc forcément full, full Fortnite c'est dur. Mais um, euh, en fait, c'est très complexe et je crois que ce que j'avais dit, c'était, um, en gros, tu vois une meuf se faire agresser, ok. Um, moi, ma technique aujourd'hui, aujourd'hui, j'aurais une technique si je suis seul. Je chercherai à la distraction. La distraction. Mais je chercherai pas la confrontation, en fait. En fait, j'irai aider la personne, mais de manière. c'est euh, sais, finou, quoi. J'irai pas aider la personne, genre, euh, en mode euh, grosse confrontation, tu vois. Faire le pitre, euh, ça peut être une strat. Ça peut être une strat. Euh... C'était qui, qui a fait ça Bah, les deux, les deux, les deux, ils ont fait ça aussi. Les deux, ils ont fait ça. Et euh, ça peut être une strate, mais, euh, mais moi, en fait, si es solo et que tu vois que les mecs sont 5 par exemple, donc tu sais que tu es mort. Et t as, t as, tu vas probablement perdre la vie. D'accord Donc ça ça vaut pas le coup de vraiment aller à la confrontation. Tu fais en sorte que la personne, tu puisses l'aider. Genre la dégager du, du problème. Et toi, tu fais en sorte que tu puisses courir. Tu vois genre, Alors que s'il y a du monde autour de toi, ma strate numéro 1 serait d'aller chercher les autres autour. Dire les gars, il y a une meuf là, elle a, elle a un problème, il faut qu'on aille l'aider. Ok C'est pas être une P word, c'est pas être euh, euh, une petite bite ou ce que vous voulez, les gars. C'est pas, pas comme ça que ça marche, les gars. Dans la vraie vie, les gars, dans la vraie vie, c'est réel. Dans la vraie vie, le mec sort un cut, il va l'utiliser, t'es mort. T'es mort. Ok C'est être smart, c'est pas ne rien faire. Attention, il y a une différence entre ne rien faire et être smart. Ok je ne dis pas qu'ils n'ont pas été smart, The Kairi et, et, et Kinshasa. Ils ont été héroïques. Ok Ils ont été héroïques. Ok mais, mais je pense qu'il y a toujours d'autres manières d'approcher. Euh, et de, de toujours mettre sa manière. De... En fait, je pense que dans la vraie vie, c'est très important de. Même si tu es sûr de soi, de ne pas être trop sûr de toi. Ça fait du bien dans la vraie vie. Ça fait toujours du bien d'être prudent. Et de ne jamais être trop sûr de soi. Quand tu es trop sûr de toi. Ça peut te mener à vraiment mal, mal finir, tu vois C'est bien de, 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 de se recadrer et de se dire « Ok, ils sont 5, je suis tout seul. » Tu vois, il y, y a un problème sur la balance, là, tu vois Même si euh, j'ai fait euh, 10 ans de karaté, je m'en bats les couilles. Même quand, même quand t'as fait genre euh, des, des années de trucs, le mec sort un couteau, frérot, t'es cuit, t'es cuit, t'es cuit. cuit. Donc, euh, donc voilà, tu vois, c'est... Faut analyser la situation. Même parfois, t'as pas trop le temps, mais tu vois, je veux dire... Euh, ah merde, on a vraiment lancé la prédiction. <laughs> Donc voilà, euh, en gros, bah, ça c'est quelqu'un qui m'a vraiment pris au premier degré euh, euh, quand j'expliquais ça. Et je pense qu'il avait mal compris. Et, euh, et que, voilà, tu vois. Euh... Pire chat, on comprend rien. Faut pas être épi épileptique pour lire ce chat de cinglé. <laughs> Attends, hey, non, ça va, ça va. Euh, les modos vous servent à quoi en le chat Les modos c'est Dimitri le modérateur. Alors modéré bande d'incompétents C'est vrai qu'il est fou les le mec. Hein. Euh, on sert à ça du coup. Vous avez fait une vraie erreur. Sachez que Locke est mon copain dans la vraie vie. Donc alors ça va pas se passer comme ça quand il verra. Alors vous allez vous faire enculer. jibes au moins il est gentil. Il laisse les faire gagner lui. Oh là 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 là, laissez mon sort de là, putain. Ta gueule, relis toi connard. Euh, vous puez la merde à spam euh, qui joue à Apex ou autre chose, bande de merde. Locke, t'es puceau, moi oui. Même de la bouche. Pourquoi j'ai lu ce message Pourquoi <laughs> euh, Rem, c'est moi, merci. 6 mois, mon pote. 15 mois. Dax, 35 mois d'affilée. BDL, tiers 1. Fatigué, tu coco. tire 1. Highlander, 5 mois. Nova Code, Twitch Prime. Les gars, j'en fais encore 2, 3 et après, je me casse. Là, il est 2h07. C'est trop déjà. Après nuit blanche, c'est trop. Ok Mais c'est samedi soir. Mais c'est samedi soir, mesdames et messieurs. Vous pouvez la merde à spam euh, qui joue à Apex ou autre chose euh, Kuzana, euh, là, les gars. Euh, là, les gars, non, c'est bon. Kuzana, ouais, là. Ouais. Deux erreurs en une soirée. Prends-toi un timeout, fais un tag à STP ferme ta gueule. On, on s'est renforcé Ou c'est moi ouais, L'hydros, la timeout, je l'ai banni. Et ensuite, on la débanni. Et il a dit ferme ta gueule et je l'ai rebanni C'est quoi ça euh, Possiblement, je pense qu'il a du dû du passé dans un... Ah ouais Ah oh, j ai j ai regardé son C'est sûr, j'ai regardé son profil, lui. Attends, j'ai pas laissé un commentaire euh... non, non, il faudrait que je euh... le laisse. Non, il a rien. Prochain. Il faudrait que je laisse. Euh, tu me demandes, je... je mets un high kick à ma petite sœur. Oh putain. Laisse ta soeur en dehors... De ça. Ok. Euh, YouTube, 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 YouTube. Bobby la ban. Mec, c'était un live réaction et c'est une vidéo YouTube. Tout le monde se met des liens. C'est un peu que Même, t'écoute pas, t'écoute pas, bouffon. Vous n'écoutez pas. Je, je, je vous laisse... Je dis, dans une minute, tous ceux qui postent encore des liens, ils sont bannés. Ils écoutent pas, ces cons C'est vrai que ça a de me de, débanner. De, de J'ai envoyé mon lien. Quand tu as demandé d'arrêter. Voilà, voilà. Ouais, mec. T'es con ou quoi Allez, encore. Bon, désolé. J'assume donc. Que je ne recommencerai plus. Ouais, ouais C'est bon. Il faut répondre aux ignorants. Non, c'est faux. C'est faux. C'est totalement faux comme, euh, comme voix. Les gars, il ne faut pas répondre. Qui a gagné, du coup Qui a gagné Les roses. Et qui a décidé ça je sais pas. Vous voulez continuer à jouer à la roulette rousse oh, J'en je lance un deuxième si tu veux. Vous voulez continuer à jouer Non, non, c'est bon, c'est bon. C'est bon, ils veulent pas, ils veulent pas, ils veulent pas. Ils veulent pas. Ok. Ok. Euh, je connais un gars qui stream à SOT également. Oh, c'est une publicité ça. Euh, j'ai pas fait exprès, j'avais fumé, je pensais euh, pas à mal. Non mais frérot, il comprend pas. Non non tu comprends pas frérot. Ils comprennent pas. Pourquoi j'étais ban, j'envoie une vidéo comme tout le monde. Est-ce que t'écoutes pas, connard hein Est-ce qu'elle pue la merde sa vidéo Ouh j'ai peur. Après c'est oui oui, qu'est-ce qu'on risque C'est oui oui qu'est-ce qu'on risque Qu'est-ce qu'on risque, les gars? C'est oui, oui. Ah, bonjour, oui, oui. Oh, ça n'a pas l'air d'aller. Non, mais ça me casse les couilles. J'ai voulu sauver le pays des jouets du coronavirus et puis. C'est peut-être un. Juste... Un e-rape, hein. Non. Il y a beaucoup de vues, mec, donc ça m'étonnerait. Attends, il y a une barre de liste. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bien. PRISON! Et alors ça a marché? Pardon, connasse, mais en fait, au pays des jouets, bah, y a pas beaucoup d'immigration. Et le seul truc qui peut immigrer et qui peut potentiellement porter le virus, c'est les oiseaux, vu qu'ils peuvent voler ces gros fils de pute! Tu n'as pas le droit de dire ça, oui oui Ouais, bon, du coup, vu qu'il y a le corona le virus, mes couilles qui fait peur à. Ok, c'est cringe. Les gars, dans les essayés de ne pas rire, vous êtes cringe. Hein. Je, je le dis, je. Vous êtes plus cringe chez moi, ok? Vous êtes cringe. C'est vraiment cringe. Il y a vraiment des gens, ils sont cringe, ok Genre eh, la, la, la dernière fois, les gars, la dernière fois j'ai j'ai un petit peu moins kiffé le faire. La dernière fois parce que vraiment les liens que vous avez envoyés c'était cringe à soc. genre vraiment. Il y a il y a trop de il y a trop de gens il y a trop de gens cringe. Je pense que je vais laisser mes modos décider qu'est-ce qu'on qu qu va regarder la prochaine fois. Mais sinon en fait il faudra vraiment les bannes en fait. il Faudra vraiment les bannes Sinon, tu sais, ils laissent un lien de merde, on les banne, tu vois. Et comme ça, on banne la moitié de la planète. Il a dit « Nique les LGBT » et tu as des bannes. Oh, merde. On l'a encore On l'a encore Je l'ai. Vas-y, fume-le, fume-le. Fume-le. C'est bon, c'est bon. Ok. Creuse, je te bute. Ok Eh, J'adore! Ah! Encore les Arabes! Ils sont dans les campagnes! Même. Ils, sont, ils, sont, ils sont partout! Oh putain! Et après, il a couronné le tout. Là, je ne peux plus rien faire pour lui. Il a, il a tout couronné. Voilà, veuillez présenter mes excuses pour mon cousin. Allez, ta gueule! Euh, Coca-Cola, tes fesses. Je ne referai plus. Gna, gna, ta gueule. Euh, mon snap, ok, non je lis pas ton message euh, qu'est-ce qu'on a là Qu'est-ce que c'est que ça Bonsoir à tous, je suis quelqu'un qui suit souvent les lives mais qui n'écrit jamais les messages Et mon frère a pris mon tel et a fait n'importe quoi Dégage, je suis pas, pas d'humeur, c'est dommage Ok, je suis fondateur de Twitch, je voulais m'assurer que les modérateurs font du bon boulot Bien joué à vous, maintenant dévacciné, je suis votre supérieur Qu'est-ce qu'on fait? Ouais, mais les gars, c'est sévère. Maintenant, c'est vrai que il a testé les modos, mais je peux pas, je peux pas, je peux pas laisser passer. Je peux pas laisser passer, il se recréera un compte, je m'en bats les couilles. Xbox, c'est vraiment de la merde, il faut comprendre. Et voilà, passez une bonne soirée. Et je suis PlayStation, je ne suis pas PlayStation, donc les accusés. Bah, t'es quoi alors? T'es quoi alors? Franchement, c'est pas sympa. Surtout, surtout, tu sais que je suis sponsorisé Xbox. C'est pas sympa, tu vois. Lui, là, il est quoi Il est peut-être Nintendo. Ah, peut-être. Peut <laughs> euh, dégage, c'est pas sympa. Euh, TG, tu parles trop, mais juste euh, dis qu'il parlait trop fort. Ah, et là, il argumente avec les modérateurs. Donc là, tu mets 60 secondes. Mais j'ai juste dit qu'il parlait trop fort. Non, t'as dit que je parlais trop et t'as dit ta gueule. Ouais, mais, mais plus c'est violent, plus il comprend. <laughs> euh, moi, je lance un petit TG, vous en faites un scandale, et l'autre il fait la même chose, et ça se passe rien. Flavito, je sais pas, je me fais chier. Tu regardes trop euh, le chat, et tu regardes même pas le live, mon pauvre, mentionnez pour ce beau boulot. M'en pas, comment tu fais Allez là Tu regardes trop le chat, tu regardes. Mais qu'est-ce qu'il fait lui Ah tu plus grosse pute. Je n'ai pas fait exprès, mon tel est tombé et ça a fait ça tout seul, sûrement hein. ouais. Oh, oh, vous me cassez les couilles, hein, putain Allez, je je fais les trois derniers, mesdames et messieurs. Big noobs, Twitch, bonsoir à toute l'équipe de mération, je viens de mettre un lien Twitch, j'ai mis ce clic. Je sais, je dû vérifier avant d'envoyer le message, j'espère réintégrer le chat, à la plus de voltige. Allez. MDR, pardon, voilà. Oups, pardon. Pardon, pardon, voilà. Euh... Erreur de jeunesse, désolé, je recommencerai plus et je vais prime, je vais prime Twitch sur ta chaîne. Tu me fais rire, tes lives sont incroyables, change jamais, ton insolence est incroyable, j'adore. Et encore, pardon. Erreur de jeunesse. Ok, ok, bon. Confrère euh, il s'est suicidé. Pas drôle ça. Hein quand t'es né, de ta mère a morte à mort, cause de ta casquette qui passait pas. <laughs> oh mon dieu, putain! Oh merde! Les modèles sont utilisés, je jette que le cerveau de <laughs> Quand je suis venu, ma mère est morte d'un infarctus car je suis roux et il a aucun marteau. À 12 ans, on verra. Des les oreilles on t'avait possédé aussi. Bon, hé, hey, hé, hey. petit blagueur, ferme-la un peu, ok Allez, Pince sa mère. Merde, désolé, je pensais parler de Discord. Mais t'es sérieux toi j'avais un délire nul avec mes amis et je pensais parler Discord, je suis vraiment désolé. Comment, comment, comment tu. Ah, il y a deux fenêtres ouvertes. Ok, première fois qu'on me sent cette excuse. Première fois qu'on me sent cette excuse. Ah, mais il a fait une erreur fatale là, je peux, je peux pas. Je peux pas. C'est une erreur fatal, je pas. Mange tes morts, nique ta mère. Ça va ça Je suis venu 5 minutes et voilà le résultat. Je me suis emporté, mais c'était drôle. Pas drôle. Fais gaffe. Euh... Mais qu'est-ce que vous avez là avec les juifs, les gars Qu'est-ce que vous avez avec les juifs Euh... Non Deban, SVP, il a même pas lu. T'inquiète pas qu'on a lu, mon frérot. Hein. Euh, ok. Le botox du cul de ta mère. Mais qu'est-ce que c'est que ces malades mentaux, frérot Bonjour, je m'excuse d'avoir dit une telle insanité sur le chat. Je demande une annonciation de mon événement qui, au moment. Putain, c'est osé, hein. Car un moment du message, Leclerc venait de dire qui n'a rien a été banni sur son chat, à l'exception d'une insulte raciste. J'ai donc bêtement écrit une insulte pour tester les modos et amuser la galerie. Bah tu vas assumer mon frérot. Tu vas assumer. T'as été un bouffon. Tu vas assumer jusqu'au bout. Euh... J'ai spoil. Glacios. C'est du diamant. Ouais, c'est sévère. C'est sévère, c'est sévère. C'est sévère. On, été... On a tous été... Euh... Il nous a bien amusé Ah ouais Tu trouves Moi ça m'amuse pas. Hein. Euh... Vive le Cambodge. Mais qu'est-ce qu'il a fait Ah c'est moi. Déjà, je savais pas que vous aimiez pas le Cambodge. <laughs> je faisais tout pour faire disparaître ce pays, mais ta gueule. Oh lui, lui, lui vraiment, genre. Euh... Sorry. Désolé, SVP ne supprimez pas le Cambodge. Ça doit être un pays sublime. C'est un pays, les gars. Euh, oui, il me semble. A... Ok. Euh, ok. Euh, Désinstalle Fortnite. Les gars, allez envoyer la grosse force. Ok. Là, je savais vraiment pas que c'était interdit, je le connaissais pas les règles. Ok, 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 okay, okay. tais-toi, tais-toi, tais-toi. Tais-toi là avec tes potes Fortniteurs Ok, plus que 3, les trois derniers. T'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche, t'es moche. Bien le bonjour sur Log, j'aimerais être déban de votre magnifique chaîne, je regrette. Oui, c'est bon, t'es moche quand même. C'est quoi la différence entre un sub et un sub-tier 3 Allez sur le live. Allez sur le live, allez sur le live. Ah, désolé c'était une blague pour le live d'un pote. Je vais être déban. Bah non. Le clear, je peux te sucer, gros noobs. Oh, gros noobs, je veux pas de chien sur Twitch. Que des plats chinois. Mais pas sur Twitch, bordel. Idiot, chien. Non, mais en vrai, j'étais sur Fortnite. Oh yeah, Fortnite, what the fuck. Et j'étais en train... De... Non, je vais même pas prendre le temps de te lire, fils de pute. Excusez-moi pour, pour, les, pour les termes, je suis désolé les gars pour les termes, euh, je suis cash, je suis cash, il y a des gens ils ont un, un comportement inadmissible, je suis cash, ok Là comme vous pouvez le voir les gars, on se fait beaucoup traiter nos grands-mères, nos darons, nos mères, etc. Ok, donc je rends un peu l'appareil, euh, d'accord Ok, comprenez-moi les gars, un peu d'empathie. Avant de penser que je suis quelqu'un de violent et quelqu'un qui insulte, etc. Vous voyez, on se fait insulter nos grands-mères toute, toute la journée. Grand-mère, père, chien, tout ça, race, on en, on en prend pour tout le monde. Même si techniquement, je vous le dis, techniquement, je m'en bats les couilles, ça ne m'affecte pas. Ça reste normal parce qu'on est, est sur Internet. Donc, euh, les gens se permettent de faire des choses qui ne feraient pas dans la vraie vie. C'est normal. Et ils sont jeunes aussi. Mais bon, il y a un moment où voilà quoi. C'est juste une petite clacounette, ça fait du bien. Euh, ouais, j'ai rien fait. Nique ta grand-mère, t'as rien fait C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, t'as rien fait. Ouais. C'est vrai, tiens, tiens, regarde. Hein. T'as rien fait, hein. Euh, tu tu rados ta <laughs> Ok, le dernier Nique ta mère, non Nique ta mère, la pute. Niquez vos mères les putes les modos. Il peut se retourner et sortir un couteau. Je m'excuse vraiment, j'adore Locke et j'aimerais être débanni. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Putain, c'est toujours les mêmes messages quoi, putain. Modos de merde. Bonjour, ça fait un petit moment. Mais je viens de constater mon bannissement. J'ai relu mes messages et je me rends compte que la bêtise est de mes paroles, ainsi que mon irrespect. Je tiens à m'excuser auprès de clear et de tous les Modos. Je ne demande pas forcément à être débanni, mais juste de m'excuser. Je ne me souviens plus la raison pour laquelle je m'étais emporté de cette manière. Je suis désolé. Veuillez me pardonner, s'il vous plaît. Bien évidemment, je ne recommencerai plus. Merci. Top pour le dernier. Top. Top pour le dernier. Lui, il va attendre. Il a envie d'insulter.